Appel à soutien. 24 mai 2023, inceste, seul devant la justice. Rassemblement en soutien à Gladys Riffard, incarcérée 6 mois pour avoir protégé sa fille. Elle sera jugée en appel le jour du rassemblement. Elle n'a pas vu sa fille depuis le 1er juin 2021. Chambéry, le 24 mai 2023, dès 14h, sur la place du Palais de Justice. Je suis Gladys Riffard, je défends mon enfant. Ma fille née en 2015 m'a fait des révélations de viol incestueux de la part de son père biologique. J'ai de suite porté plainte en 2018. Suite à une enquête bâclée, ma plainte a été classée sans suite. Je suis donc partie en Espagne pour protéger ma fille. Sans recevoir de convocation légale, on m'a mis 6 mois en détention provisoire avant tout procès pour non-représentation d'enfant. J'ai fait appel et serai jugée ce 24 mai 2023 à 16h à la cour d'appel de Chambéry. J'irai sans avocat. L'audience est publique. J'invite toutes les personnes à venir me soutenir car la peur doit changer de camp. La justice française refuse que je voie ma fille depuis le 1er juin 2021, soit bientôt 2 ans. Je ne suis pas un cas isolé et je compte sur vous. Allez, merci, courage, ma fille. Bisous, à bientôt. Elles sont victimes des rouages implacables d'un système judiciaire qui les broie. Priscilla Maggiani, actuellement emprisonnée. Séverine Rava, ayant été emprisonnée. Sophie Abida, actuellement emprisonnée. Gladys Riffard, ayant été emprisonnée. Quand la justice arrêtera-t-elle d'incarcérer des mères protectrices? Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Ici ou ailleurs, portez-vous bien.